Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce vlog. Dorénavant les vlogs j'en ferai un petit par mois, puisqu'il y a toujours quelque chose de nouveau à dire sur la chaîne. Donc on commence avec ça. Premièrement, j'avais fait deux vidéos, une pour vous parler de mes problèmes techniques, et la deuxième par rapport aux commentaires qui disparaissaient. Alors, sur la question, bon, les commentaires, ils disparaissent, je vois la notification, je vais dans commentaires, et puis commentaires indisponibles à être supprimés. Vous avez un certain nombre à me dire qu'effectivement vous les effacez pas. Donc par rapport à ça, je sais pas plus, je suis pas allé plus loin quand le fait d'avoir fait la vidéo, c'est au moins pour savoir pourquoi est-ce que c'est vous qui supprimez par la suite. Apparemment non, moi non plus, hein, je vais pas supprimer les commentaires qui d'ailleurs sont toujours un réel plaisir à en avoir. Donc je sais pas trop ce qui se passe, je suis pas allé plus loin, je vais voir pour me renseigner, je sais pas, je vais essayer de voir, pour savoir. Après YouTube, hein, y a quelques problèmes, hein, notamment avec les notifications de vidéos qui apparaissent des fois deux jours après, bon, parfois oui, c'est très mal fait. Mais c'est pas trop grave non plus, mais j'irai me renseigner, je vous tiens au courant. Ensuite, par rapport au problème technique, ça c'est résolu. Je peux maintenant repartir à neuf avec mon nouveau PC, avec beaucoup plus de performance et beaucoup plus de facilité et de pratique. Parce que là, mon Dieu, si j'ai pu m'acheter un nouvel ordinateur, bien plus performant, donc je vais pouvoir faire les meilleures choses. Et plus facile, et surtout dans un gain de temps. Donc ça c'est déjà une superbe chose. Et donc là, la petite difficulté qu'il va y avoir, c'est juste avec la possibilité de faire des nouvelles choses, de faire des bonnes vidéos, mais pas trop, pas faire trop de choses un peu extravagantes. C'est-à-dire que maintenant, avec toutes les possibilités que j'ai, je peux faire des vidéos bien avec pas mal de choses. Alors des effets spéciaux entre guillemets, je veux dire, je vais pas faire mon Michael Bay, mais je vais pouvoir faire des choses en plus, enfin beaucoup de choses en plus. Et donc la difficulté, bon, là j'ai une vidéo, j'ai mon sujet, je travaille sur une vidéo là un jour pour justement faire quelque chose qui soit nouveau. Bon, on voit la différence, mais pas trop en faire des caisses, parce que sinon ça risque de faire moche en fait. Bon, pour l'instant, je vais recommencer à être un peu plus visible sur ma chaîne. L'idéal, si j'arrive à faire 2-3 vidéos par semaine, bien montrer vraiment avec une nouvelle manière de faire, avec vraiment un côté professionnel en plus, une manière d'aborder les sujets beaucoup plus en détail, beaucoup plus profond, ça serait génial. Je vais m'y mettre, je vais m'y lâcher de le faire. Pour l'instant, mes vidéos sont bien, il y a de bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais l'idée c'est vraiment, quand on regarde la chaîne plus ou moins en profondeur, on voit quand même une grande évolution au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est la première démarche, je vais me fixer, parce que il faut effectivement avoir de l'évolution, hein. On voit qu'il y a quelque chose de neuf et on améliore. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va me faciliter la vie. Je vais aussi pouvoir peut-être gagner du temps, parce que moi avant sur l'ancien PC, le temps de charger la vidéo dans le logiciel, le temps d'encoder, le temps de repasser le son, voilà, ça me prenait parfois une après-midi entière, hein, pour une vidéo de 10 minutes. Bon, ça c'est quand même très relou. Donc voilà. Autre chose, donc, comme vous le savez, j'ai sorti un album il y a 3 semaines, pratiquement un mois déjà, qui est aussi labellisé. En ce moment, je fais pas mal de musique, donc je ferai aussi de la musique médiévale dans un second temps.
pour justement être un petit peu plus nouveau aussi dans mes musiques, puisque là j'utilise beaucoup les musiques de Borzum, c'est une musique que j'adore, mais je pense que si il y aura un moment où ces musiques-là, j'en mettrai une fois, mais tous les 6 mois, mais refaire ma musique pour ces vidéos-là, parce que mon projet musical, du Running Hope, pour mettre dans les vidéos sur cette chaîne-là, c'est pas que ça va pas, mais c'est une ambiance très, très dark, très dark, très noir. Donc ça ferait peut-être un peu trop collapsereux, trop fin du monde. L'idée, c'est pas ça, c'est aussi d'avoir un peu en nature, un petit peu qui sort un petit peu de tout ça. Donc je ferai des nouvelles musiques un peu plus médiévales, peut-être un peu plus joyeuses aussi. Mais je vais essayer de ramener quelque chose de nouveau dans le plan musical aussi. Et bon, je fais pas mal de musique en ce moment, donc c'est aussi. J'en ai besoin, j'ai un petit besoin de faire de la musique. Et puis voilà. Voilà. Ensuite, par rapport au live que j'ai fait la semaine dernière, je crois que c'est vrai. Donc effectivement, j'ai resté chez moi, donc la qualité n'est pas dégueulasse, l'image n'est pas dégueulasse du tout, le son c'est correct, bon, ça c'est une bonne chose. Je ferai un prochain test live à la Semi-Bad pour savoir s'il y a moyen d'en faire là-bas, au niveau du réseau, puisque je n'ai plus internet à la maison, puisque j'ai décidé d'enlever internet de la maison. Alors vous allez me dire, ouais, mais je mets les vidéos sur YouTube, comment tu fais? Il y a plein de manœuvres, juste avec le téléphone, partage de connexion, et vous pouvez utiliser Internet, voilà. L'idée, c'était de payer un abonnement Internet et pas deux. Bon, voilà. Après, il y a une vitesse de connexion un peu plus lente, mais ça suffit amplement. Voilà. Donc, pour la maison, ça marche, parce que je suis branché sur le téléphone 4G. Après, à la semi-bague, il y aura peut-être moins de réseau, différemment de réseau, peut-être que ça passera pas, je ne sais pas, je verrai, donc je vous ferai un petit live test semi-bague dans les prochains jours qui viennent. Bon, ça peut être pas mal aussi, ça peut être pas mal. Et pour un prochain live, pour un live sérieux, je pense que ça sera d'ici 1 à 2 semaines. Il faut, je trouve, alors premier live, la difficulté aussi, c'est de trouver quelque chose. Alors, soit les gens ils viennent et on arrive à discuter, vous poser des questions, vous poser des questions et la discussion se développe et s'enrichit. Par contre, si, ouais, si pendant 1 heure on est là à dire trois conneries, c'est pas. Enfin, voilà, on peut se répandre aussi, mais ça sera pas forcément une super idée. Bon, l'idée, ça sera peut-être de trouver peut-être un sujet pour commencer le live, et puis à la limite, d'éteindre sur d'autres choses. Ou sinon, préparez vos questions, à la limite, préparez vos questions, et essayez de voir ce que vous pouvez poser comme questions sur des thèmes que je n'ai pas encore abordés, sur le pourquoi aussi je n'ai pas abordé ces thèmes-là. Et comme ça, la discussion se développe au fur et à mesure du temps dans le live. Ensuite, après, je ne sais pas du tout combien de temps on va durer les lives. Pour l'instant, ça m'est un peu inconnu, un peu, disons, parce que bon, les lives, au bout d'un moment, il faut tenir une heure et demie, à mon sens. Après, voilà, tout dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a dessus et comment ça se développe. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo bien gros, putaclic, pour que tout le monde me voit, pour que la date passe par tout le monde. Parce qu'il y a une chose, vous avez sûrement remarqué, certains youtubeurs peuvent mettre une photo avec un petit texte pour partager une information. Seulement ça, l'échelle de ma chaîne, niveau des. Il faut 1000 abonnés, je crois, pour pouvoir activer ce truc-là. Donc, comme je n'ai pas la 1000 abonnés, je suis obligé de faire une vidéo pour donner une information qui est pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo pour, mais pour tenir au courant les gens, c'est en même.
mieux, quoi. Donc en plus, j'ai vu les réseaux sociaux, hein, j'ai aussi bazardé Facebook depuis 6 mois. Bon, voilà, 6 mois après, il y a toujours mon site internet qui est en description. Vous pouvez toujours voir pour me laisser les commentaires dessus ou les questions, voilà. Bon, ça, il y a moyen aussi. Donc voilà, donc c'est sûr que je suis un peu fermé là, à ce niveau-là pour donner une information, mais je fais une vidéo vlog ou un truc où je les base sur un truc et puis on fera comme ça, quoi. Je pense que je peux pas. Il y a certaines informations que je suis obligé de dire, sinon ça fait pas, quoi. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Donc moi je vous remercie votre fidélité, j'espère que ça va. L'automne arrive, enfin non, l'automne est déjà là, mais l'hiver arrive, winter is coming, comme dirait certains. Et moi je vous dis à la prochaine, les amis. Ça me fait plaisir toujours d'avoir du soutien de votre part et j'espère vraiment que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me laisser le commentaire, même si c'est pour dire voilà. Il y a des choses que tu dis, je suis pas toujours d'accord, dites-moi un petit peu votre ressenti aussi. Et puis je vous remercie tout le monde de votre sincère soutien. Et je vous dis à la prochaine. Et rappelez-vous que cette phrase, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao les amis.